aujourd'hui, regardez. Que se passe-t-il? Jusqu'on fait Miss des enfants. D'accord, et c'est quoi le problème? Miss des enfants. Accélérons. Miss des adultes, même, ça m'énerve. À plus forte raison, Miss des enfants. Ah bon? Vous pensez que moi, je suis assis là? Ma fille va aller se montrer sa nudité parce qu'on va lui donner une voiture? Aïe, mais tonton, c'est un concours de beauté à l'échelle nationale pour démontrer, éprouver, valoriser la beauté du pays. Attendez, ça va pas, non? Et dans tout bon concours, lorsque tu gagnes, tu as des cadeaux. Elle ne peut pas travailler pour avoir cette voiture? Mais tonton, c'est un concours de beauté, non? Alors, les gens qui s'en vont s'asseoir pour regarder Miss, là, les ministres, autres là. Vous avez déjà vu leur fille en train de faire Miss? Question. Quand vous partez pour regarder les concours de Miss, là, il y a l'enfant du préfet là-bas? Question. Il y a l'enfant d'un ministre là-bas? Question. Il y a l'enfant du président de la République là-bas? Question. C'est des pauvres qui viennent là parce qu'ils vont avoir voiture. Ça m'énerve. Il faut te calmer. On va changer de chapitre. Aboudjou, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Célésino qui aime moi te dire. Accélérons. Tu es sûr? Ne t'attends pas à ce genre de choses là. Après, faut pas te fâcher d'être. Accélérons. Célésino. Donc, comme tu le disais, Aboudjou est un fou. Il y a des problèmes psychiatres. Psychologiques. Reprends. Psychologique. Il faut qu'il aille voir le psychiatre. On va le traiter là. Son cerveau, ça décolle. Il a une bobine chauffée. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ah, pour toi aussi. Même si elle dit qu'il est illettré même là, faut faire quand même un petit effort. T'es malade. Mon frère, tu as raison. On va changer de chapitre. Attention, donne-moi un passage biblique, s'il te plaît. Je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Car je sais qu'il est avec moi. Il faut fermer ta gueule. Imbécile là. Bâtard. Ils ont aucun problème. On va changer de chapitre. Lola Beauté, il paraît que tu as une bonne nouvelle à nous annoncer dans ce mois de mars. De mettre les personnes en couple. Yes. Tu es mon pour Lolo? Tu n'es qu'une prostitute. Yes, dis-nous, qu'est-ce que tu as traversé dans ta vie? Moi, j'ai traversé difficulté. On va changer de chapitre. Chef de classe? À mon commandement. Pas de sémant foutisté. Chacun d'alliés son quelqu'un. Accélérons. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Nous le savons tous, grand-père il est malade. Suite à un goumengoumé sauvage, toxique, nauséabond, farfelu, notoire, qui le frappe de manière grandissime. Suite à cela, Célestino a décidé de lui coller un mot. Ça, je parle pas derrière le dos des gens. Si j'ai envie de parler, je vais m'identifier. T'es fou. Imbécile, va te faire enculer, messieurs. T'es fou, attends. Ta bouche là, ça se lingue. Oh, si t'es fâché, il faut boire de l'eau, tu te couches. Tu as tout de l'homme. Je te croise, moi je te dégonfle, tu vois. Si tu veux, je fais ça. Oui, je sors avec les gars du coin là-bas. Je m'en fous de toi. On t'attrape. Très bien. On va passer ta bouche là. J'ai dit, hein, le mot des femmes. Tous les sorciers qui sont ici, oui. Vous êtes des bâtards. Allez danser.